L'Iran entame l'enrichissement de son uranium à hauteur de 20% avec une cascade de centrifugeuses de pointe dans sa centrale souterraine à d’eau. Annonce de faite fête mercredi par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une nouvelle qui fragilise un peu plus l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien alors que des négociations viennent de reprendre pour tenter de le sauver. Pour rappel, il est interdit à l'Iran, au terme de l'accord de 2015, d'enrichir de l'uranium quel que soit le degré d'enrichissement ou les centrifugeuses utilisées. Aujourd'hui, le stock d'uranium de Téhéran est en croissance rapide. Une partie est enrichie à 60%. Alors que selon les termes de l'accord, ce niveau ne doit pas dépasser 3,67%. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence atomique, affirme qu'un accord préalable demeure possible si la volonté politique soit présente. Par conséquent, dans un rapport plus détaillé transmis par l'Agence onusienne à ses États membres, qui a décidé de renforcer les inspections menées sur le site d'enrichissement d'uranium de Fourdos. De son côté, Téhéran a minimisé l'importance du rapport, le décrivant comme un document de routine. Il s'agit d'une mise à jour ordinaire conforme aux vérifications normales. Depuis le départ de l'ancienne administration Trump et par conséquent la fin de l'accord de 2015, les grandes puissances signataires de l'accord de 2015 n'ont cessé de rappeler l'Iran de reprendre les discussions, mais Téhéran en a profité pour accélérer son programme nucléaire. L'épilogue Iran et son enrichissement de l'uranium est loin d'être terminé.